Ça a commencé quand j'avais 4 ans en fait. J'étais au Canada, j'étais la plus jeune à patiner. Et puis quand on est revenu au Liban, j'avais 6 ans, 7 ans, il n'y avait pas de patinoire jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans. Il y a une patinoire qui a ouvert à Zou Mesbah. Et c'est là-bas que j'ai appris en fait à patiner. Pendant 6 ans, j'ai passé tous mes jours là-bas presque. J'ai appris des sauts, il y avait des entraîneurs qui venaient, qui quittaient le pays. Il y avait des avantages et des désavantages parce que ce n'était pas un sport assez développé au Liban, ce n'est toujours pas le cas, mais c'était intéressant de voir comment les élèves évoluaient avec beaucoup de détermination. Ils aimaient beaucoup le sport, il y avait beaucoup de passion et de volonté. Et c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai progressé. Et on a eu aussi l'opportunité de participer à des compétitions, plutôt à une compétition en Italie, où j'ai représenté le Liban, c'était en 2003. C'était une expérience assez intéressante. Ils ont fermé la patinoire en 2005 et depuis, il n'y a pas eu de patinoire au Liban. Et depuis, chaque année que je voyageais comme ça, je prenais mes patins avec moi et j'allais patiner juste pour le plaisir. Quoi. Je ne pratiquais plus, je ne m'entraînais plus. Et là, ils ont ouvert une patinoire temporaire, mais ça marche, la glace est bonne, c'est en plein air, c'est superbe. Et je reprends, mais juste pour le plaisir, c'est juste pour patiner.